Bonjour à tous, c'est parti, la Laguna, 9 km en courant, ça va gravir la montagne, et après redescente en roller, à fond les ballons, avec le kit GoPro sur la tête. On va voir ce que ça donne, gros sac à dos, hein, sac à dos avec les rollers, ça pèse assez lourd, mais c'est bien de courir différemment. Vous courez avec un sac à dos, c'est pas pareil que courir sans sac à dos. Surtout un sac à dos qui est lourd, ça va rappeler des souvenirs à beaucoup. Je précise, à toute fin utile, par un cagnard de folie, il doit faire 34 degrés. Là c'est bon, j'ai carrément mis la tenue de compression là. Les entraînements avec le K-Way. Franchement, si vous devez courir dans les pays secs, là où il fait chaud, ou ambiance tropicale, on s'en fout. Entraînez-vous d'abord si vous êtes en zone tempérée. Avec un K-Way, ça vous paraîtra beaucoup plus facile. Honnêtement, il n'y a rien de bien que le K-Way. Même là, la montagne 34 degrés. Enfin, quoi que la température commence à descendre, mais je monte, c'est rien du tout. On part au K-Way. Plus on monte en altitude, et plus il y a un vent fort là, ça fait plaisir. Parce que franchement, il fait chaud là. Ça monte toujours terriblement. Heureusement, il y a un vent frais, la température commence à baisser. De plus en plus de vent, mais la côte est de plus en plus dure. Je peux vous dire que dans des cas comme ça, s'être entraîné en tirant un pneu, peut-être que je passe pour un con. Hein. Mais franchement, monter la montagne après, vous avez le cuisseau. Ça fait pas peur, et ça fait pas mal. C'est plus dur de tirer un pneu que de courir la montagne. Là, ça a échappé. Il a pas plu depuis au moins 3 mois. J'arrive à la Laguna, qui a 3, là, qui a à peu près 9 km, je crois. Ça y est, je sens les petites gouttes de pluie. Putain, ça doit être les montagnes qui retiennent les nuages ici. Pourquoi il n'y a jamais de pluie chez nous? Ici, il pleut toujours. C'est un truc de dingue. Je pensais pas trouver de la pluie ici, putain. Mais il pleut toujours, c'est comme ça, c'est la Laguna. D'ailleurs, c'est ce que j'étais en train de me dire, c'est un peu plus vert. Là, l'herbe, elle a pas cramé partout. Il y a un peu de vert ici. Alors, en effet, il y a des petites gouttes de pluie qui tombent. Pas beaucoup encore, mais... Vous savez qu'on va arriver à la Laguna, ça va tomber. Maintenant, j'espère trouver une rivière parce que putain, j'ai vachement soif. Évidemment, oui, j'ai pris un sac de 3 kilos avec les rollers dedans. Évidemment, j'ai pas pris d'eau. Regardez comment c'est un peu plus vert dans la montagne, là. Avec un ciel bien menaçant, ça fait plaisir.
Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.